Et pour parler de Gonzague Saint-Brice, eh bien nous sommes aujourd'hui chez lui, au Clos Lucé à Amboise, une propriété qui appartient à sa famille depuis le milieu du 19e siècle, une demeure célèbre également pour avoir abrité un certain Léonard de Vinci. Gonzague Saint-Brice, écrivain, journaliste, patron de presse, apprécie particulièrement l'histoire et la télévision. On ne compte d'ailleurs plus le nombre d'émissions télé auxquelles il a participé. On va le retrouver tout de suite dans une archive de l'INA tournée ici même il y a tout juste 35 ans. Et ensuite, eh bien, on file l'interviewer chez lui, à Paris. Chacun de nous, nous possédons un trésor, nous possédons un patrimoine. Et c'est notre passé. Chacun de nous a un passé et il faut apprendre à aimer son propre passé. Quand je viens ici, à Amboise, au Clos Lucé, quand je me promène, je retrouve les traces de mes jeux d'enfant, des jeux brutaux, des embuscades, des cabanes. Et au fond, j'ai toujours été élevé dans l'histoire. Si bien que quand j'étais enfant, je me sentais déjà très 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 vieux et depuis, je rajeunis. Bonjour Gonzague Saint-Brice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer modestement de résumer votre parcours grâce aux nombreuses archives de l'INA. Mais d'abord, nous sommes à Paris, chez vous. Un mot sur la pièce si incroyable où nous sommes installés aujourd'hui. Il y a une phrase extraordinaire qui dit « Je veux que le lieu que j'habite », une phrase de Delacroix, « que les objets qui sont à mon usage me parlent de ce qu'ils ont vu ». De ce qu'ils ont été et de ce qui a été avec eux. Ici, cette maison, c'est l'ancienne maison de Casanova à Paris, et c'est aussi le lieu, ici même, où à ce piano, Django Reinhardt a donné ses premiers concerts. Alors, on a vu ces images à l'instant, tournées en 1980, images extraites d'un magazine qui, à l'époque, vous était consacré. On vous voit, Gonzague Saint-Brice, en éternel jeune homme romantique. C'est une image qui vous convient ? Tout à fait, pourvu que ça dure. D'ailleurs, j'ai été mis dans un asile de vieillards quand j'avais 5 ans. J'en suis sorti. Il ne me reste donc qu'à rajeunir. On a retrouvé Gonzague Saint-Brice, probablement votre première apparition à la télévision. Regardez cette image tournée en 1972. L'émission s'appelle Italique. Vous êtes invité pour parler du dandysme, mais regardez surtout celle qui suit un an plus tard, 1973. Vous êtes face à Bernard Pivot. Il vous taquine un petit peu sur votre côté snob. On l'écoute, vous réagissez juste après. Je répète ma question parce que vous n'y avez pas répondu. Être snob, c'est vivre par procuration. Absolument, oui. Oui, mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'un snob, c'est celui qui veut entrer dans une société très fermée et qui fait des pieds et des mains pour y arriver et qui singe ces gens-là, donc il vit par procuration. Oui, mais ce n'est pas être un homme, ça. Oui, mais si, absolument, parce que l'homme descend du singe et si le singe imite les autres personnes, il a un goût sympathique de la vie. Le snob a un goût formidable de la vie. Il a un goût extrêmement sympathique de la vie. Et chaque fois qu'on dit « la marquise est sortie à 5 heures », il faut penser qu'il y a un snob qui est mort à 4h30 dans l'attente de ce rendez-vous-là. Un brin provocateur, Bernard Pivot, ce jour-là. Ah ben, il est obligé d'être provocateur parce que moi, je le suis. Parce qu'au fond, depuis l'école, j'ai toujours été un provocateur par la culture. Parce que la culture, c'est la totale liberté d'interprétation. Et j'aime à faire entendre des choses que les gens ne s'attendent pas à entendre. Et c'est la phrase de Balzac qui est devenue ma devise. J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. Regardez un extrait de ce clip tourné dans les années 80. Vous assurez la promotion d'un site en Touraine et vous êtes le personnage central du clip. Vous aimez ça, vous mettre en scène ? Non, mais j'aime l'image, comme disait Baudelaire, l'image, ma grande, ma primitive passion. Et je trouve que quand on aime l'art, on ne doit pas faire qu'une chose. On va aller à la fin des années 90, on va se rendre dans un endroit bien particulier que vous connaissez bien, il s'agit de Champceau, petit village forestier de 150 habitants environ, dans lequel vous organisez chaque dernier dimanche d'août une manifestation littéraire, à la veille de la rentrée littéraire d'ailleurs, la forêt des livres. Les livres sont issus des arbres. Il faut que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. Dans un village de 150 habitants, je reçois 150 auteurs ou 200 auteurs et c'est gratuit et ouvert à tous. Je crois que c'est devenu l'avant-première nationale à la rentrée littéraire depuis 20 ans cette année et c'est la preuve de ce que c'est le lien social en milieu rural, de ce que c'est
la culture pour tous, la communion par la culture. On vit des moments extraordinaires ensemble. Votre actualité, c'est également un ouvrage, Le goût de Stendhal. Oui, parce que Stendhal, c'est un célibataire merveilleux qui adore les femmes, qui adore la musique, qui adore l'Italie, qui adore les belles pages. Et surtout, il a dit, plus on est cultivé, plus on est susceptible d'être heureux. Vous avez des projets ? D'être de plus en plus cultivé et donc de plus en plus heureux. Merci infiniment, Gonzague Saint-Brice, de nous avoir reçus chez vous à Paris. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.